Good morgen, Aleid, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Avram Ben Soussan et Eliaou Ben Chaya Tzizel. Ainsi que l'Irfoua Traya Rivka Bat Lea, Sarah Bat Nechama, Hana Lea Bat Gitel Devora. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Psachim, Perek Dalet Mishnah Vav. Rabbi Meir Omer, Kol Menacha Sheitril Bakodem Nearba Asar, Gomra Bearba Asar. Aval Loya Trilba Batechila Bearba Asar, Af Alpi Sheachol Le Gomra. החכמים אומרים שלוש אומניות עושים מלאכה בהרבה פסחים עד חצות. ואלו הן החייטים והספרים והכובסים. רבי יוסי בר יהודה אומר אף הרצענים. Je situe d'abord la Mishnah en corrigeant une petite erreur que je vous ai dit dans le cours précédent. Il y a la veille de Pessah, le 14 Nissan, depuis Chatzot, c'était le moment où au Beth Amikdash on a emporté le Korban Pessah. C'est un moment où on se prépare. À Pessah, là, avec toute l'intensité, il y a une grande mitzvah de faire cuire à ce moment-là les matzot, ce qui est plus tellement concrétisable à notre époque. Mais c'est un jour, en tout cas, on doit, depuis l'après-midi, interdiction de travailler. D'accord? Ça a le même statut que Chol HaMoed. Maintenant, le matin du 14 Nissan, alors on avait appris qu'il y a des endroits où on a l'usage de s'abstenir de travailler et des endroits où on a l'usage de travailler. On a une Mishnah qui va venir nous apprendre. Sache que même dans les endroits où on a l'usage de ne pas travailler, il y a certains travaux qui sont permis à travailler. Maintenant, je corrige une chose que je vous ai dit dans la mishnah précédente, erreur, que on va découvrir plusieurs dérogations dans notre mishnah, permission de travailler, même si on a l'usage de ne pas travailler. Mais ça ne concerne que le matin, pas l'après-midi. L'après-midi, il n'y aura aucune permission. Tout ce qu'on va découvrir, ce sera tout ce qu'on va apprendre dans notre mishnah, ce sont des permissions pour les endroits où on a l'usage de ne pas travailler le matin, on aura le droit de faire ces travaux-là malgré tout, selon les conditions précisées. Mais par contre, dans l'après-midi de 14, rien du tout. Même pas coudre ou se coiffer les cheveux ou laver son linge comme ça, on va le découvrir. D'accord? Maintenant, on commence à avancer. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, « Kol melacha sheitril ba kodem l'arbasar » Tout travail qu'il a commencé à réaliser depuis avant le 14, eh bien, « gomra be'arbasar » Il a le droit de la finir le 14. Avec précision, les premiers mots de Bortenora, « Kol melacha sheil tzorech hamoed » qui est une nécessité pour le Chol HaMoed. Soit, j'explique, il faut, pour pouvoir permettre un travail le 14 au matin, il faut deux conditions selon Rabbi Meir. D'abord, tu ne commences pas de zéro, tu as déjà commencé avant, et en plus de ça, ce que tu vas le finir maintenant, c'est une nécessité, tu en as besoin pour la fête de Pessah. Alors là, tu as le droit de continuer. Ouais, par exemple, on va prendre, réparer sa voiture. Si toutefois, tu prévois de pendant Chol HaMoed, tu auras besoin de ta voiture. Maintenant, tu peux t'en passer, mais ce sera plus pratique de l'avoir. Ouais, sinon, on enlève le Chol HaMoed, ça devient trop compliqué. Mais, donc, si tu as commencé à la réparer avant le 14, tu auras le droit de continuer à la réparer le 14 au matin, puisque tu en as besoin pour Chol HaMoed. Mais, si tu savais que tu avais une panne, tu t'en es pas occupé parce que tu n'avais pas le temps. 14 au matin, tu finis le Chametz, tu as le temps devant toi, tu dis, allez, je vais enfin me mettre à réparer la voiture. Ah, tu veux commencer à réparer ta voiture, tu n'auras pas le droit de le faire, même si tu en as besoin pour Pessah. Ou encore, tu veux maintenant réparer ta voiture, mais tu n'en as pas besoin pendant tout Pessah, tu ne comptais pas bouger, de toute façon, on va être confiné, comme d'habitude, mais tu en auras peut-être besoin pour après, pour éventuellement faire quelque chose après Pessah. Tu n'auras pas le droit de finir de la réparer, même si tu as commencé à la réparer auparavant. D'accord? Je n'entre pas dans les alchotres, la moelle de... C'est... D'accord. Donc, deux conditions. J'ai commencé avant, et j'ai le droit de continuer parce que j'en ai besoin pour la fête. Ok? Ça, c'est Rabbi Meir. Par contre, il ne pourra pas débuter un travail le 14, même si c'est un tout petit travail. Ouais. Même s'il peut le terminer dans la même journée, c'est pas le problème. Il fallait pas repousser jusqu'au 14 au matin. Puisque tu es dans un endroit où on n'a pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit de travailler, donc tu n'as pas le droit de travailler. Ok. Chachamim viennent et nous ajoutent une deuxième permission. Shalosh umanuyot osin melacha barve psachim atrasot. Il y a trois travaux artisanaux que tu auras le droit de faire la veille de Pessah jusqu'à Chatzot, même si tu n'as pas commencé. Velouen, et les voici, Achayatin, les couturiers, Vasaparim, les coiffeurs, Vakosin et les laveurs de linge. Maintenant, on parle ici donc de travaux qui sont de nouveau nécessaires pour la fête. Même si tu n'as pas commencé, tu auras le droit de les faire. La particularité de ces travaux-là, spécialement,
Ils laisseront que, en réalité, même pendant Halamoued, dans certaines, si certaines conditions seront remplies, alors on a le droit de le faire même pendant Halamoued. Ouais. Coudre, on a le droit de coudre pendant Halamoued une réparation de manière un peu grossière. Saparim, quelqu'un qui sort de prison, ou quelqu'un qui était en voyage et qui était en route et qui n'a pas pu se couper les cheveux, il aura le droit, il aura une dérogation pour se couper les cheveux pendant Halamoued. Idem aussi pour Kovsin, celui qui a pas. Qui a qu'un seul vêtement, ou encore le même principe, encore le même, s'il sort de prison, tout ça, il y a des dérogations qui sont données. Alors là, c'est la grande règle. Puisqu'il y a des dérogations données pendant Pessah, pendant Chol HaMoed, alors même si tu n'es pas dans la condition particulière, tu ne remplis pas les conditions particulières pour pouvoir permettre le travail avant Pessah, on te le permettra de manière plus simplement. D'accord? Et sur ça, on a Rabbi aussi Bar Yehuda Omer. Rabbi Yehuda Bar Yehuda rajoute encore un. Qui sont Af Aratz Anim, idem aussi pour les, comment dire, les cordonniers, si je peux dire. Mais c'est pas exactement. En réalité, la Gemara explique. Il y a le cordonnier, c'est celui qui répare la chaussure. Aratz Anim, c'est celui qui fabrique la chaussure. Et en fait, il y a, ah, la moelle, une permission de réparer une chaussure qui s'est craquée. Du coup, vient Rabbi Yossi Ben Yehuda et dit, bah, dans ce cas-là, tu as même le droit aussi de fabriquer une chaussure depuis le début. Sur ça, Chachamim ne sont pas d'accord parce qu'ils considèrent que c'est deux artisans différents, celui qui fabrique la chaussure, celui qui répare la chaussure. Donc du coup, c'est pas parce que tu as une permission dans une situation pour l'un que tu vas le permettre pour l'autre. Tu as le droit certes de réparer les chaussures, mais tu n'as pas le droit de fabriquer une nouvelle chaussure, selon Chachamim. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Selah.